Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve à Nadia Gris qui nous a gentiment invités via Instagram grâce à une vidéo que j'ai faite d'eux. Du coup je remercie la personne qui m'a invité, du coup qui m'a contacté sur Instagram. Aujourd'hui j'ai pris un plateau pour deux parce que je ne suis pas venu seul. Là tu vois tu l'ouvres délicatement. Tu vois que c'est ferme. Ensuite tu tournes dans la sauce. Le mec vient, il n'est pas assez mis, je crois. Une de salade. Une salade basique, mais qui est très bonne. Alors, dans le plateau pour deux, vous allez avoir cette viande là. Enfin, il y a plusieurs types de viande en fait. Il me semble que ça c'est de l'agneau, ça c'est du poulet, et ça c'est du bœuf, ça c'est du poivron je pense, ça c'est de la courgette, et après il y a plein de frites et plein de légumes. Et après bien sûr, avant de commencer le plat, j'avais déjà mangé un peu de salade avant, sur le côté un petit peu healthy. Je vais commencer à goûter les frites. C'est des bonnes frites. Il y a rien à dire. Je vais commencer ensuite par couper la viande. Oula. Le plateau est énorme, on va pas se le cacher. Je galère. Franchement ça, cette viande elle est extraordinaire. Très très bonne. Je vais prendre avec les doigts parce que entre nous on est intime. Le poulet, très bon poulet. Non, c'est bien cuit au barbecue, c'est très très bon. Un gros morceau de courgette. On continue avec de la viande du coup, la viande de bœuf. Je crois que genre le meilleur viande pour moi c'est l'agneau, ensuite le poulet et ensuite le bœuf. Il me reste encore plein de petites viandes là. Oh, c'est la viande de kebab. C'est très bon, ça relève le goût. Ça, j'espère que c'est pas du piment parce que sinon je meurs. C'est pas du piment, c'est du poivron, du coup ça va. Et ça, il me semble que c'est du boulgour basique. Très bon. Bon. Oh. Je sais pas ce qu'ils ont mis dans cette viande, mais elle est très très épicée. Ouais, elle a arraché. On va reprendre la viande que j'avais d'habitude. Attention, je sais pas, normalement on m'a dit que ça, du coup ça tremblait. J'espère que là vous ne tremblez plus. Cette viande elle est trop bonne. Moi j'aime bien quand c'est pas épicé. Et j'ai pas de goût. J'aime bien quand c'est genre nature, qu'on sent bien la viande dans la bouche. C'est très très bon. Mais cette viande là, je pense que je te laisserai parce que ça pique beaucoup trop, mais je suis sûr que c'est juste moi qui est pas très très épicé. En fait. Je vais goûter la spécialité de Nadia Grill du coup dans ce restaurant turc qui est le baklava. Alors, c'est parti. C'est très sucré. Mais c'est très très bon. C'est très sucré. Beaucoup trop. Mais c'est très très bon. Vraiment, si vous êtes amateur de sucre, je vous le conseille à 100%. Parce que là, je sens le sucre dans tout mon corps. Je vais me lever et je suis en train de faire le montage depuis 9h. Il doit être midi. J'ai oublié de faire l'outro, du coup je fais l'outro maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Tchuss!